Alors, lui, il peut recevoir, et moi, je ne peux pas aller voir les autres. Mais et je lui ai dit, non, vous savez, j'ai d'ailleurs téléphoné à Laurent Gbagbo. Après ça, j'ai dit, mais Laurent, mais maintenant, tu as bien changé, hein? Quand tu étais dans l'opposition, tu allais au Gabon, tu allais partout, est-ce que je t'en ai empêché? Il me dit, voilà, je savais que tu allais me dire ça. J'ai dit, oui, mais maintenant, on doit te demander l'autorisation pour voyager. Et elle a rigolé, et puis bon, il m'a dit, non, voilà... Ça veut dire qu'au-delà de tout, vous appelez. Mais quand oui, même. Mais ça, ben, ça fait bon on signe, se parle. Ça, oui, mais. Mais vous savez, les gens pensent que nous sommes là, de couteau entre les dents, nous sommes prêts à nous dévorer. Non, ce n'est pas cela. Moi, j'ai des relations. Pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais c'est de notre intérêt. On ne peut pas se passer du Sénégal comme le Sénégal ne peut pas se passer de la Côte d'Ivoire. Et le président Wad est un président respecté de par le monde tout de même. Il a une stature internationale, pas seulement africaine. Et moi, je trouve que le président Gbagbo aurait intérêt à aller demander conseil de temps en temps au président Wad. Moi, je prends l'initiative d'aller le faire dans le cadre de nos relations au sein de l'international libéral. Je ne vois rien. Et je remercie le président Wad de m'avoir reçu. Et dès que je serai élu, je l'inviterai et je suis sûr qu'il viendra à mon investiture. J'ajoute d'ailleurs que le dimanche dernier, je suis allé au Nigeria voir le président Jonathan. Je suis allé le matin, j'ai déjeuné et puis je suis rentré. Mais personne n'a parlé de ça. Parce que la presse n'était pas au courant. Oh, la presse, oh, vous savez, mais les services de renseignement ici le savent. Autrement, ça ne fonctionne pas. Ils savent que je suis allé au Nigeria, mais pas un mot. Ah, donc, c'est-à-dire qu'ils ont un problème avec le Sénégal, peut-être. Ah, parce que c'est un libéral, peut-être, comme moi. Autrement. Et après demain, j'irai voir un autre chef d'État. Lequel? Ah non, je ne vais pas. C'est la surprise. Ainsi, c'est la surprise. Ainsi. Ça veut dire qu'au-delà de tout, vous appelez. Mais quand oui, même. Mais ça, ben, ça fait, je, ça on se parle. Oui, mais. Mais vous savez, les gens pensent que nous sommes là, de couteau entre les dents, nous sommes prêts à nous dévorer. Non, ce n'est pas cela. Moi, j'ai des relations. Pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais c'est de notre intérêt. On ne peut pas se passer du Sénégal comme le Sénégal ne peut pas se passer de la Côte d'Ivoire. Et après demain, j'irai voir un autre chef d'État. Lequel? Ah non, je ne vais pas. C'est la surprise. Ah non, je ne vais pas. C'est la surprise. Comme il a dit hier à la télévision, on s'appelle hein, de temps en temps. Et moi, je n'ai pas de... Et quand il m'appelle, je le tutoie, il me tutoie. Mais hier, on était dans une solennité qu'il fallait respecter, mais je n'ai pas de problème avec Alassane Ouattara. Et je vous rappelle, pour, si vous ne savez pas, que au moment où le RDR était dirigé par Guéni Kobina, qui est maintenant disparu, qui était mon ami et mon compagnon d'infortune en prison pendant 2 ans, nous avions une alliance qu'on appelait le Front Républicain. En ce moment, Alassane Ouattara était au FMI. Donc, nous travaillons bien. Donc, ce n'est pas pour moi un homme nouveau au niveau des rapports individuels. Le message, c'est lequel que vous lui lancez? Non, mais que on continue de s'appeler. Mais hier, on était dans une solennité qu'il fallait respecter, mais je n'ai pas de problème avec Alassane Ouattara. On continue de s'appeler. Je n'ai pas de problème avec Alassane Ouattara. Donc, ce n'est pas pour moi un homme nouveau au niveau des rapports individuels. Le message, c'est lequel que vous lui lancez? Non, mais que on continue de s'appeler. Je n'ai pas de problème avec Alassane Ouattara. Vous savez, les gens pensent que nous sommes là, de couteau entre les dents, nous sommes prêts à nous dévorer. Non, ce n'est pas cela. Je n'ai pas de problème avec Alassane Ouattara. Est-ce que vous parlez encore au président Ouattara? Votre dernière
entrevue date du mois d'août. Est-ce que vous vous parlez ou vous ne voulez plus lui parler parce que vous avez expliqué qu'aujourd'hui, chacun suit son propre chemin? Non. Nous nous parlons. Lorsque le président Ouattara ne m'a pas vu à Yamoussoukro pour cause de malaise technique, comme on l'a dit, le soir même, en rentrant à Abidjan, il m'a téléphoné pour savoir comment j'allais. Et nous avons échangé cordialement. Je m'honore toujours des visites que me rend le président Alassane Ouattara. Ces occasions nous permettent de faire le point de la situation dans le cadre de notre politique de gouverner ensemble. Ces occasions nous permettent de faire le point de la situation dans le cadre de notre politique de gouverner ensemble. Ces occasions nous permettent de faire le point de la situation dans le cadre de notre politique de gouverner ensemble. Le point de la situation dans le cadre de notre politique de gouverner ensemble. Dans le cadre de notre politique de gouverner ensemble. Un événement qui nous a donné beaucoup d'enjaillement, n'est-ce pas, monsieur le président? Donc on est tous très heureux. Les éléphants, ces jeunes, nous ont permis donc de retrouver beaucoup de joie. Et nous souhaitons que cela puisse être un catalyseur pour que le pays continue d'avancer dans la paix. C'est un événement qui nous a donné beaucoup d'enjaillement, n'est-ce pas, monsieur le président? Un événement qui nous a donné beaucoup d'enjaillement, n'est-ce pas, monsieur le président? Je n'ai pas de problème avec Alassane Ouattara. On continue de s'appeler. Pour que le pays continue d'avancer dans la paix et dans la concorde. Je voudrais féliciter le président pour revenir sur l'appel de Daoukro. C'est un document important pour chacun de nous. Il a eu l'amabilité de dire qu'il dédiait ce livre à son jeune frère, le président Alassane Ouattara, le grand bâtisseur. Donc, président, grand merci. Grand merci pour ce livre. Merci, président. Voilà, merci encore. Il a eu l'amabilité de dire qu'il dédiait ce livre à son jeune frère, le président Alassane Ouattara, le grand bâtisseur. Il a eu l'amabilité de dire qu'il dédiait ce livre à son jeune frère, le président Alassane Ouattara, le grand bâtisseur. À son jeune frère, le président Alassane Ouattara, le grand bâtisseur. Il a été vraiment une source de remotivation pour moi et de confiance en l'avenir de notre pays. Oui, je sais que nos concitoyens ne sont pas sourds, ne sont pas aveugles. Nos concitoyens ont de la mémoire. C'est trop facile d'avoir fait ce que certains ont fait et de penser qu'ils peuvent revenir pour faire la même chose. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Vous pouvez me faire confiance. Je crois que chacun de nous a son destin. Et on ne peut pas fuir son destin. La Côte d'Ivoire est maintenant un grand pays. Un pays stable. Un pays sur la voie d'un développement encore plus accéléré. Avec une équipe de jeunes ici, tout autour. En face, à côté, derrière moi, devant moi. Qui sont prêts à prendre la relève. Mais si les uns et les autres savaient combien d'années il m'a fallu pour préparer Amadou Gon Coulibaly, on ne peut pas préparer un successeur en 4 semaines ou en 2 ou 3 mois. Donc c'est un sacrifice que je fais. Je veux que ce soit clair. Pour moi, c'est un sacrifice parce que je veux laisser le meilleur à la Côte d'Ivoire. Je veux laisser une équipe à mes concitoyens. Je vais laisser une équipe qui va continuer ce que j'ai commencé. Et ce que nous avons commencé depuis 9 ans est admirable. Et je voudrais vous féliciter tous, monsieur le Premier ministre, Premier ministre, etc. Tous, mesdames, messieurs les ministres. Moi, je ne peux pas abandonner mes concitoyens dans une telle situation. Mais la Côte d'Ivoire a besoin de continuer d'être la boussole de la sous-région et même parmi les pays les plus écoutés sur le continent africain.
ne voulons pas rentrer dans une période de turbulence, une période d'insécurité, une période d'angoisse pour nos concitoyens. Donc je profite de cette rencontre pour vous dire qu'aujourd'hui, je me sens bien. Oui, je me sens bien parce que j'ai assumé. Parce que ce que je fais, dans mon intime conviction, je le fais pour mon pays, je le fais pour mes concitoyens. Je le fais pour la Côte d'Ivoire, mon pays que j'aime tant. C'est pour cela que j'ai accepté d'être candidat. Et je peux vous assurer que la violence ne passera pas. La violence ne passera pas dans notre pays. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Et nous sommes unis sur notre volonté de préserver la paix pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants.